Éternel notre Père et notre Dieu, roi des rois, nous t'adressons nos vœux en cet instant. Nous souhaitons, Seigneur, que tu prennes place dans nos cœurs, dans cette assemblée, afin que nous puissions élever ton Saint-Nom ensemble et que ta gloire descende sur nous au nom de Jésus. Ce sabbat est l'occasion pour nous de compter les bienfaits que Dieu nous a accordés durant cette année 2022, mais également de nous rappeler tous les combats, les obstacles que Dieu nous a permis de surpasser. Il y a peut-être des moments de doute, de baisse de foi, de démotivation, voire de dépression en 2022. Mais Dieu vous a permis de sortir de cette situation et de tenir jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite à vous tourner vers votre voisin de gauche et votre voisin de droite en lui disant « Grâce à Dieu, tu as réussi. Grâce à Dieu, tu as vaincu. Grâce à Dieu, tu as la victoire sur 2022. » Allons-y, prenons une minute. Merci. Merci à tous. N'oublions pas que toutes les épreuves que nous avons affrontées, nous les avons gagnées grâce à Dieu. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la maison en ce dernier sabbat de 2022 et un joyeux sabbat de la reconnaissance. Et pour ce faire, justement, nous allons vouloir pouvoir adorer notre Dieu. Nous allons chanter ensemble le numéro 27 de notre hymne louange, « Adorons le roi ». Nous sommes venus pour ça, donc nous allons l'adorer.
Je vous invite à nous mettre à genoux pour qu'on puisse prier notre Dieu. Père éternel, je te remercie parce que nous avons ce privilège de finir cette année dans ta maison. Nous venons, Seigneur, surtout pour montrer notre reconnaissance envers toi. Seigneur, je te remercie parce que nous sommes là. Je te remercie, Seigneur, pour les bienfaits que tu as versés sur nous au long de cette année. Je te remercie pour chaque personne qui est ici présente, pour chaque personne qui regarde, Seigneur, à travers le net. Je te remercie pour la santé, pour les biens matériaux, pour tout ce que tu nous as offert, Seigneur. Je te prie maintenant, accompagne-nous et fais que nos chants, nos témoignages, nos interventions te soient adressés et qu'elles représentent une louange pour toi. Je te prie, Seigneur, sois avec chaque personne qui va intervenir, avec chaque personne qui va témoigner, avec chaque personne qui va chanter. Fais, Seigneur, que le Saint-Esprit nous remplit et que toutes les personnes ici présentes, Seigneur, les visiteurs, les personnes habituelles, qu'ils partent d'ici avec une nouvelle expérience avec toi. Je te prie, accompagne-nous et fais que nous puissions terminer cette année-là de telle manière que l'année qui vient nous rapproche encore plus de toi. Tout cela, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Je vais inviter les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Alors, juste une petite précision, pour ceux qui ont apporté une offrande de reconnaissance, vous ne les mettez pas pendant le passage des diacres, vous les gardez avec vous. Vous mettez uniquement vos dîmes et vos offrandes pour l'instant. Merci. Aujourd'hui, c'est le samedi 31 décembre, le dernier jour de l'année. Mais c'est aussi le dernier sabbat de l'année. Nous avons qualifié ce jour comme étant un jour de reconnaissance, un sabbat de reconnaissance. Et si nous parlons de reconnaissance, c'est parce que justement nous sommes conscients, nous avons pris conscience effectivement que Dieu nous a fait grâce pendant toute cette année. Nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Et en réponse justement de cette grâce que Dieu nous a faite pendant cette année, et aussi de nous pouvoir être là aujourd'hui pour pouvoir le célébrer, nous voulons dire, Seigneur, attire mon cœur à toi. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous attire à lui, de telle sorte que nous soyons éblouis par sa présence. Éblouis par la présence de Dieu parce qu'en fait, nous reconnaissons que ce Dieu est le Dieu de gloire, le Dieu digne d'être adoré. Nous avons besoin, justement, pour ceux qui passent par des moments difficiles, besoin d'être rassurés parce que l'Esprit de Dieu encore agit aujourd'hui. Et je voulais penser à Eurydice, à plein d'autres personnes qui passent par des moments difficiles, leur dire que Dieu est au contrôle. N'oubliez pas que Dieu est au contrôle, quelle que soit la situation par laquelle vous passez. Et si Dieu est au contrôle, c'est parce qu'il est aussi dans vos vies, dans nos vies. Et s'il est dans nos vies, nous croyons aussi que Dieu est présent aussi, l'Esprit de Dieu est présent aussi au milieu de nous, dans ce lieu. Et nous voulons le louer pour cela. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors nous proclamons une autre fois, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Pourquoi? Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alors viens déposer tes fardeaux. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te les donner. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Changé. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin retrouvé la paix dans ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. La vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. Enfin trouver la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Pour te faire plaisir.
t'adorer et t'obéir. Je vivrai pour te faire plaisir, t'adorer et t'obéir, Seigneur. Tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir, Seigneur. Je vivrai pour te faire plaisir, t'adorer. Et en ta présence,
bistrot des enfants. Maintenant, c'est ton moment, une histoire, mon enfant, où Dieu, notre créateur, te dit qu'il t'aime tant. Maintenant, c'est ton moment, une histoire, simplement, viens. Vous allez bien, les enfants ? Oui. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sarah et de son frère Daniel. Sarah et Daniel. Sarah a 9 ans et Daniel a 7 ans. Qui a 9 ans dans la salle ? Non ? Qui a 7 ans dans la salle ? Voilà. Alors, on a un petit peu les visages, on voit un petit peu l'âge des enfants qui sont représentés. Alors, Sarah et Daniel, cette histoire se passe il y a quelques années. Ils habitaient très loin, à la campagne, aux États-Unis. Mais ils n'avaient pas beaucoup de voisins. Leur père et mère, ils étaient fermiers. Alors, ils habitaient loin de tout le monde. Ils habitaient vraiment à la campagne et ne voyaient pas leurs amis tous les jours. Ils habitaient dans un foyer chrétien. Et tous les matins avant de partir, leur maman faisait le culte avec eux. Et aussi le soir avant d'aller au lit, leur maman faisait le culte et leur parlait de Jésus, leur racontait des histoires de Jésus. Et c'est ainsi que Sarah et Daniel apprenaient à connaître Jésus. Sarah et Daniel, tous les jours lorsqu'ils devaient partir pour l'école, ils avaient une longue route à faire. Alors ils devaient se réveiller très tôt le matin, prendre le petit déjeuner dans le sac et partir pour l'école dans le village qui se trouvait un petit peu plus loin. Ils avaient un long parcours. Mais Sarah et Daniel ne s'ennuyaient pas parce qu'ils chantaient, ils racontaient des histoires et le trajet ne les gênait pas. Alors, un jour, lorsque Daniel et Sarah rentraient de l'école, ils n'étaient pas trop loin de la maison, ils ont vu qu'il y avait le feu pas loin de chez eux, dans la brousse, il y avait beaucoup de fumée. Et ils ont eu un peu peur. Et Daniel a dit à Sarah, « Mais il faut qu'on fasse quelque chose, parce que si on ne fait rien, le feu va arriver à côté de notre maison et va brûler la maison. » Sarah lui a dit, « Mais Daniel, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors ils étaient inquiets, ils avançaient vers la maison, et Sarah a dit, « Je sais ce qu'on va faire. On va prier. » Daniel a dit, « Prier, tu crois que Dieu, là où il est, aussi loin, avec tout ce qu'il a à gérer, tu penses qu'il va entendre notre prière ?» Sarah dit, « Moi, je sais que le Dieu que maman nous enseigne tous les jours, ce Dieu-là, lui, il est capable d'entendre les prières et surtout d'y répondre. Alors, je crois qu'on va prier. » Daniel a dit, « Bon, je ne suis pas convaincu, mais si tu le dis, on va prier. » Alors, ils se sont rapprochés tous les deux. Ils se sont tenus la main et Sarah a prié. Sarah a dit, Dieu, je sais que tu es loin, mais je sais aussi que tu entends les prières. Et je te demande d'épargner la maison, le jardin, tout ce qui appartient à notre Père, parce que s'il y a le feu, nous n'aurons plus rien. Et elle a dit, merci Seigneur, et ils se sont mis debout. Et tout à coup, un vent est arrivé. Le vent a soufflé et a chassé les flammes de l'autre côté de la maison et la maison a été épargnée. Sarah a dit à Daniel, « Tu vois, Daniel, le Dieu que maman nous a enseigné, c'est un Dieu vivant. » Il a entendu la prière et il a exaucé la prière. Daniel a dit, « Eh bien, on va dire merci à Dieu. » Ils se sont dit, tous les deux, ils ont dit, « Merci Jésus parce que tu as entendu notre prière. »
Alors aujourd'hui, comme Sarah et Daniel, je vais vous inviter à dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier sabbat de l'année. C'est aussi le dernier jour de l'année. Et Dieu a fait beaucoup de choses pour nous cette année. Même si on a peut-être été malade, on a eu des moments difficiles. Mais on va dire merci parce qu'il y a papa, il y a maman, il y a les papis, il y a les mamies, il y a les amis qu'on aime. Et pour ça seulement, on va dire à Dieu merci. Merci parce qu'il est toujours près de nous et quelles que soient les situations, il entend. Et lorsque nous prions, il entend nos prières et il y répond. Merci beaucoup les enfants. Alors pour ça, je vais vous, au plus grand, je vais vous rendre un dessin. Et lorsque vous aurez relié les feuilles, ça c'est tout le plus petit. Okay. Lorsque vous aurez relié les points, vous allez voir ce que ça représente. C'est ton moment, une histoire, mon enfant. Merci les enfants. Où Dieu, notre créateur, te dit qu'il t'aime tant. Maintenant, c'est ton moment, une histoire, simplement. Viens. Thank you.
Merci. Test. Test. Merci pour ce très beau chant. Et comme on est un sabbat de reconnaissance, j'ai quelques minutes pour expliquer un peu ce que ça veut dire reconnaissance envers Dieu. Tout d'abord, il faut que je reconnaisse. Il faut reconnaître, il faut que je me rende compte, il faut que je m'aperçoive de ce qui a été fait pour moi.
Il faut que je sois conscient, quand on parle de reconnaissance, que ce n'est pas un hasard que quelque chose de bien m'arrive. Il faut que je sois aussi conscient que ce n'est pas la normalité, mais qu'il s'agit d'une grâce. Faites un essai. Vous faites le pas parce que vous allez être dessus. Mais donnez à quelqu'un quelques semaines, chaque semaine, au même jour, le lundi ou le dimanche, le samedi, si vous voulez, une petite somme d'argent, 10 euros, chaque semaine. Vous allez voir que, après un certain temps, ça va devenir une normalité et la personne va venir et me dire « Mais c'est lundi aujourd'hui. Mes frères et sœurs, le fait que je me réveille toujours ou la plupart du temps en bonne santé, est-ce que c'est la normalité ? C'est la normalité ? Donc, il faut que je reconnaisse que quelque chose de spécial m'arrive. Ensuite, pour qu'il s'agisse de la reconnaissance, je dois la traduire en parole et en acte. Naaman, le Syrien, suite à sa guérison, voilà comme il s'exprime. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Voilà, ça c'est exprimer sa reconnaissance. D'ailleurs, le fait que c'est la bonne attitude nous montre aussi l'apôtre Paul en Romains qui dit « Ne reconnais-tu que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» La reconnaissance de la bonté de Dieu m'attire vers lui et vers la repentance. Maintenant, si pour le bien que je fais moi, il faut que j'agisse discrètement selon la Bible, en ne me vantant pas, la reconnaissance, elle n'est pas faite pour être tenue au secret. Il faut l'exprimer d'une manière adéquate, bien sûr. Et concernant le Seigneur, une première manière est de lui adresser des louanges. Je pense que nous devons de plus en plus avoir plus de témoignages aussi pour louer et glorifier notre Dieu. Une autre manière est à travers des différentes actions ou dons qui sont aussi motivés par la reconnaissance. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Mais selon moi, la meilleure manière de montrer ma reconnaissance envers mon Seigneur, la vraie reconnaissance, je la tire de 2 Corinthiens 5, le verset 15. « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Voilà, mes frères et sœurs, la reconnaissance. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour lui, par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai de la reconnaissance quand je vis pour le Christ et avec le Christ. Quand je le suis en tant que disciple, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, quand je témoigne de ce qu'il a fait pour moi, quand j'ai un projet missionnaire personnel. Ensuite, en dernier, pour que la reconnaissance puisse durer maintenant, parce que souvent nous sommes ainsi, nous recevons des bénédictions. Ensuite, ça devient la norme et il faut que, pour que j'aie de la reconnaissance, que les bénédictions soient de plus en plus grandes. Et dès qu'il y a une petite contrariété ou grande, une épreuve, j'oublie le grand nombre de bénédictions et je murmure ou je me rebelle carrément. Donc pour que la reconnaissance dure, il faut que je me rappelle. Il y a un texte qui dit ça très bien, psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie au moins la moitié de ses bienfaits. » N'oublie aucun de... Alors, c'est la Bible qui le dit. Vous imaginez, nous imaginons, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Et pour cela, mes frères et sœurs, je vous donne un conseil que j'applique moi-même. Je suis triste que je ne l'applique pas depuis toujours, mais au moins de quelques bonnes années, je le fais. Pour ne pas oublier, l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire ? Noter quelque part. Chaque fois qu'on Dieu réponde à une de mes prières, chaque fois qu'il intervient d'une manière spéciale dans ma vie, je devrais écrire ça avec date et heure, si vous voulez. Et ensuite, quand la contrariété va arriver, je vais avoir un lieu où je peux aller et lire tout ce que le Seigneur a fait pour moi, pour que je puisse me rappeler. Alors, mes frères et sœurs, je recommande à chacun de nous de vivre envers le Seigneur une vraie reconnaissance, parce qu'il le mérite, parce qu'il fait tant pour nous. Jamais notre reconnaissance ne va combler, ne va arriver à vraiment reconnaître ce qu'il fait pour nous, mais au moins en partie, nous devrons avoir une vie de reconnaissance. Amen. Je suis devant vous pour témoigner que Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu rempli de bonté. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que souvent, par les moments difficiles que nous traversons, Dieu nous révèle, veut nous révéler des aspects de notre caractère ou veut nous révéler quelque chose sur la relation que nous avons avec lui. Avez-vous déjà remarqué cela ? J'ai commencé à avoir des problèmes de santé au début de cette année, 2022, et ces problèmes se sont aggravés au bout de quelques semaines, mois, et ils se sont aggravés de telle façon que je me suis retrouvée presque paralysée par des douleurs violentes. J'étais couchée, je ne pouvais ni marcher, ni m'asseoir correctement, sans avoir de violentes douleurs. Et donc, dans cette situation-là, tout s'est arrêté. Mais mon travail, je ne pouvais plus aller travailler, mes activités, tout s'est arrêté. Et j'étais là, dans ce lit, avec toutes ces douleurs. Et cela a duré pendant un certain temps. Dans cette situation, mon moral a pris un coup. J'étais découragée, mais Dieu a plein de promesses dans sa parole. Et il y a ce verset qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » J'ai prié, j'ai même crié à Dieu, littéralement, pour qu'il puisse faire quelque chose. Et Dieu a agi. Chaque mouvement, je priais pour qu'il me donne la force de le faire, pour qu'il atténue les douleurs, et il a agi. Il a été là, et je n'étais pas seule face à cette situation. Dieu m'a fortifiée. Et il m'a, jour après jour, ma situation de santé s'est améliorée. Il m'a permis de rencontrer des professionnels de santé, des thérapeutes compétents. Et aujourd'hui, je suis devant vous, debout, marchant, et je le loue de tout mon cœur pour ce qu'il a fait pour moi. Par cette expérience que Dieu m'a fait vivre, il m'a révélé quelque chose dans mon caractère
c'est que je pensais que je comptais sur Dieu dans ma vie de tous les jours, et je comptais sur Dieu, mais je me suis rendu compte que je comptais aussi un peu sur moi et sur mes propres capacités. Alors qu'en fait, il faut compter sur Dieu entièrement et totalement. Parce que dans les difficultés, c'est Dieu qui nous porte, c'est Dieu qui nous fortifie et qui nous fait avancer. Et j'ai compris que dans ce monde dans lequel on est, souvent on met l'accent sur nos propres capacités, notre force est en nous, mais non, notre force est en Dieu et en Dieu seul. Et ce que je voudrais que l'on puisse retenir de cette expérience, de ce témoignage, c'est que quels que soient les moments par lesquels vous passez, quelles que soient les difficultés, n'importe quelle situation, rien n'est impossible à Dieu. Réfugiez-vous auprès de lui et Dieu agira. Il agit déjà et il agira. Et pour cette année qui va commencer dans quelques heures, nous ne savons rien de ce qui se passera, mais la seule chose qui est sûre et certaine, c'est que Dieu est là et il agira. Amen. Et je voudrais aussi remercier par cette occasion tous ceux qui ont prié et qui m'ont exprimé cet amour fraternel qui donne vraiment du baume au cœur. Merci. Et continuons à prier et à apporter cet amour fraternel les uns pour les autres. Amen. Fort de cette expérience de Myriam, nous ne pouvons pas rester ainsi sans chanter la bonté de l'Éternel. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me confies à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme ma right.
la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Maintenant, je vais donner la possibilité à une personne qui voudrait témoigner de ce que Dieu a fait pour elle au cours de cette année. Donc, ne vous sentez pas timide, soyez spontané. Voilà, j'ai déjà une personne, voilà. Alors, nous allons faire des témoignages courts pour ne pas nous étaler dans le temps. Soyez bénis, vous toutes et tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu parce que c'est vrai, le grand Dieu tout-puissant, glorieux que je sers, me fait du bien. Cette année, ça a été une année d'épreuves, de réussite, de bonnes choses pour moi et je bénis Dieu. Et je dis Dieu, merci pour tes bienfaits. C'est vrai, à travers de son serviteur, le pasteur... Kessner. Le Seigneur lui a donné de prier pour moi parce que c'est vrai, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans pas mal de domaines. Et du coup, j'étais en congé et donc de longue durée. Pendant ce longue durée de travail, de congé plus ou moins, parce que j'ai toujours aimé travailler, je faisais une formation pour pouvoir rentrer encore dans un nouveau emploi. Et du coup, j'ai contacté le serviteur chez Kessner. Il a prié pour moi dans ce domaine et Dieu s'est glorifié. Donc, je fais une formation et je dois faire encore d'autres formations. Et du coup, je crois que je vais réussir encore parce que là, je suis dans un autre domaine de travail pour... travailler par la grâce de Dieu dans plus ou moins dans, je ne dis pas le domaine médical, mais c'est effectivement ça rejoint un peu ça. Et je remercie Dieu pour sa grâce et Dieu me fera encore du bien parce que j'aime la musique, hein.
Je chante aussi, je fais du piano. J'ai toujours aimé ça parce que mon père, il était clarinettiste. Il était dans le groupe de Loulou à la ville. Peut-être que vous connaissez dans le monde. Hein. Et du coup, j'ai toujours aimé ça. Dans le monde, j'étais un peu à droite à gauche dans le domaine artistique. Mais du coup, je suis en train de travailler sur des morceaux parce que ça fait de longues années que je travaille sur mes morceaux. Et le Seigneur me donne pas mal de chants, de musique, je les écrive. J'avais déjà fait ça, j'avais déjà mis des trucs sur mon logiciel et j'ai tout effacé parce que ça ne me plaisait pas. Donc par la grâce de Dieu, je suis en train de refaire quelque chose de bon pour glorifier Dieu. En même temps, je veux travailler sur mes partitions parce que là, je compte faire cantique de musique. Hein. Et j'enregistre pas mal de morceaux. Je bénis Dieu parce que mes inspirations viennent comme ça. Et puis bon, j'ai dit c'est un don de Dieu que le Seigneur m'a donné. Je sais pas pour me vanter ni m'enorgueillir, hein. Mais Dieu a mis dans chaque personne un don particulier. Et le Seigneur aussi me donne de grandir encore dans sa parole, dans sa connaissance surtout. Parce que j'ai dit, Seigneur, donne-moi un esprit supérieur comme Daniel, hein, parce que Daniel était un homme qui servait Dieu dans ses songes et dans ses visions. Et donc, le Seigneur me donne encore de méditer dans toute sa parole, dans toute sa globalité de sa parole, parce que de le servir encore, parce que j'ai servi Dieu dans la prophétie, dans mon église, et je continue à aller dans les églises, parce que je ne sais pas encore, mais quand j'étais petite, j'avais cette vie. Nous allons être pour laisser la place aux autres. Oui, et bien voilà. Alors du coup, voilà, je bénis Dieu pour sa grâce et que Dieu vous bénisse. J'aurai le temps de témoigner encore davantage sur les choses. Il est parenté avec ma famille. C'est la famille d'Agobert. Ma mère, c'est une demoiselle d'Agobert. Elle est mariée, mais sa mère était une dame d'Agobert. Son papa était Bouchain, donc voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Bon courage dans le Seigneur et puis à bientôt. Merci. Que Dieu vous fasse du bien. Merci. Alors, soyez court. Voilà, pour que. Très court. Voilà. Très court. À celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancèlent. Généralement, je m'appelle lorsque j'étais jeune, à 12 ans, je suis à l'abri, je me donnais partout. Donc, normalement, les adolescents, ils sont en pleine santé. Mais Dieu fait cette allusion pour dire ceux, quel soit leur âge, jeune, moins jeune, etc., ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc ça veut dire que moi, tu es en pleine forme, tu te sens bien et grâce à Dieu. Attends, ils sont pour ça. Et puis, voilà. Mais toi, Alex. D'accord. Toi, Frédéric. Serviteur que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Toi, que j'ai pris pourquoi j'ai pris au extrême de la terre. Que j'ai appelé d'une contrée lointaine. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Par le micro. Ne crains point. N'aie pas de crainte. C'est moi qui parle. C'est ton Dieu qui te parle. Mm-hmm. Je suis avec toi. Je ne prends pas des regards inquiets. Car c'est ton Dieu, il te fortifie. Je viens à ton secours. Le soutien de ma droite triomphante. Amen. J'ai 66 ans. J'ai l'impression. 66, oui. Ah bon? J'ai l'air, non? J'ai l'air ou pas? Bien. J'ai 70 ans, mais j'ai l'impression que
ce que je faisais à 20 ans, c'est pas que j'ai carrière, hein, en réalité, d'ailleurs, on me le dit. Ce que je faisais à 20 ans, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je le fais, même plus. Amen. Et j'ai dit à quelqu'un, mais je me sens que je me dis, il y a 26 ans, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, mais tu as 20 ans. Il dit, non, 26 ans, ça me suffit. Je souhaite que mon gabri, c'est vrai. Je fais des choses que moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Tout c'est pour dire que, voilà, donc ces paroles de Dieu, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force, je les vis pleinement. Amen. C'est pour dire, venez à l'Éternel. Dieu a dû venir à moi, tel que vous êtes. Mais il nous dit pas de venir à lui comme nous voulons. Comme nous voulons, tel que vous êtes, chargé, fatigué, ne nous redis au repos. C'est Dieu qui parle, mes amis, le Dieu du ciel, le Dieu qui a créé toutes ces choses. Alors il m'a dit, comment as-tu pareil? Bon, c'est vrai, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il m'a dit, comment as-tu pareil? David disait que je marche, je le vois, il est à mes côtés, partout, devant, derrière. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est au-dessus de ma tête aussi. Amen. Alors, pourquoi as-tu pareil et y a tant de fois, tant d'inquiétudes? Et sa parole depuis le Nouveau Testament, jusqu'au Saint Testament, nous dit tout ça. Ne soyez pas inquiet. Fais-moi confiance. Alors, je peux dire, cette nouvelle année, mettez votre confiance en Dieu. Mais apprenez à l'aimer, apprenez à le craindre, à l'honorer tel que le dit. Alors, vous soyez étonnés, mes amis. Soyez étonnés les bénédictions qui moi, je suis marié. Je suis inondé. Si je dois raconter tout ce qui m'arrive, là. Un jour, il y aura un plaisir. Elle ne doit pas passer la journée. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons laisser la place au pasteur Kossou. J'aimerais poursuivre sur ce thème de la reconnaissance et le. Le Larousse dit qui a de la reconnaissance, de la gratitude, être reconnaissant à un service rendu. Vous savez, j'ai une fois été un peu perturbé par lors d'un service comme ceci, celui-là, où quelqu'un témoignait justement, et j'étais assis dans l'assemblée, quelqu'un disait « Ouais, c'est vrai, tout le temps, chaque personne a toujours quelque chose à dire que Dieu a fait pour eux, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu ne fait rien pour moi. » J'étais un peu perplexe parce que je me dis parfois, vous savez, on a des membres d'église qui grandissent, qui naissent à l'église, qui grandissent, mais qui sont toujours étonnés du fait que d'autres amènent des témoignages peut-être spectaculaires et eux ne vivent pas grand-chose avec Dieu. Alors, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18 dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Comment comprendre cela quand je ne ressens pas avoir vécu quelque chose à partager avec Dieu? Vous savez, j'ai rencontré un frère qui vient d'Ukraine et qui m'a témoigné une expérience que j'ai trouvée très très forte. Il disait qu'aujourd'hui, les frères et sœurs de l'église d'Ukraine qui étaient bien, qui pouvaient se réunir chaque sabbat et qui pouvaient profiter du sabbat, aujourd'hui, ils profitent du sabbat dans les sous-sols des bâtiments. Et c'est là qu'ils se réunissent pour manger, pour boire, pour partager avec d'autres personnes qui sont perdues dans les rues et qui les rejoignent. Et quand ils découvrent la chaleur qu'ils vivent entre eux, qu'ils mangent même si c'est un pain qui reste, ils partagent ensemble. Mais ils leur disent, mais comment avez-vous appris cela? Et là, ils partagent leur expérience de vie qu'ils ont eue lorsqu'ils étaient encore en paix, où ils pouvaient louer Dieu en toutes circonstances. Est-ce que Dieu ne fait rien pour moi aujourd'hui? Est-ce que Dieu n'a rien fait pour moi durant cette année? Pour ma part, je crois que j'ai vécu une expérience il y a 2 ans de cela, mais qui m'a marqué à vie. Je ne voudrais pas faire de la peine à mon épouse, mais
Elle a vécu une situation difficile avec sa mère qui est tombée malade en 15 jours et qui a perdu la vie. Mais elle a envoyé un message à tous ses enfants. Sur son portable, elle me l'a envoyé. Et lorsque j'ai écouté ce message, je me suis dit, non Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir, qui peut parler comme ça. Elle disait à ses enfants, tenez bon, moi j'ai confiance que je vais voir mon Dieu. Mais je voudrais pouvoir voir mon Dieu avec mes enfants. Alors tenez bon, soyez toujours en parfaite relation avec Dieu, quoi qu'il arrive. Recherchez Dieu, il est présent, il est toujours prêt. Mais lorsque j'ai entendu le message, je me dis, mais Seigneur, c'était à moi de l'encourager dans ce sens. Elle terminait son message en disant, je sais que je verrai Dieu, mais je veux pouvoir ouvrir mes yeux lorsque Jésus reviendra et être en phase avec mes enfants pour louer Dieu, pour lui chanter des cantiques et des louanges. Frères et sœurs, je crois que Dieu fait énormément de choses pour nous. Et si nous n'avons pas eu l'occasion de le témoigner cette année, regardons un peu en arrière et tournons-nous vers Dieu pour lui exprimer notre reconnaissance. Nous n'avons pas besoin d'apporter de gros billets. Ce que Dieu souhaite, c'est un acte que nous puissions exprimer que nous avons une relation avec Dieu à vie et que notre joie, c'est d'exprimer combien nous sommes heureux de pouvoir vivre cela avec notre Dieu. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a un panier qui est réservé spécialement, il est là-bas, pour tous ceux qui voudraient témoigner de leur reconnaissance envers Dieu, pour ce qu'il fait pour nous, mais pour ce qu'il fera encore pour nous pour cette année 2023. Que Dieu puisse être heureux de pouvoir compter sur notre reconnaissance en toutes circonstances. Amen. La possibilité vous est donnée de vous rapprocher ici pour pouvoir déposer votre offrande de reconnaissance. Venez voter pour le Seigneur. Moi, je vote. Thank you.
Dieu nous prouve sa fidélité au quotidien. Et nous voulons finir ce service en chantant ce chant. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu, parce qu'il le sera encore pour nous tout au long de cette année qui va bientôt commencer.
Je vais vous inviter à vous lever pour que nous puissions faire la dernière prière ensemble. Notre Père Céleste, merci. Merci pour cet élan d'amour, de reconnaissance que tu mets dans nos cœurs. Nous désirons, Seigneur, que tu puisses nous imprégner de ta présence au quotidien. Tu dis dans ta parole que ta bonté se renouvelle chaque matin. Alors réitère dans nos vies, Seigneur, ce sujet de louange, cette reconnaissance, afin que nous puissions continuer, Seigneur, à dispenser de tes grâces et de tes bénédictions à tous ceux qui vivent autour de nous, afin que tu sois heureux de nous, Seigneur, et que nous aussi, nous puissions continuer à élever ton Saint-Nom partout où nous serons et partout où nous vivrons. Maintenant, notre Dieu, notre Père, nous voudrions partir avec ta bénédiction. Église de Bagnolet, que le Seigneur répande sur toi sa bonté et sa miséricorde. Qu'il t'accorde au jour de la détresse sa protection. Qu'il te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Amen. Amen. Nous vous remercions de votre présence ici. Nous espérons que vous avez été richement bénis et que nous allons continuer à rester dans cet état d'esprit de louange et d'adoration par rapport à notre reconnaissance à Dieu. Nous allons vous laisser en chantant à nouveau « L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu » et vous allez pouvoir sortir. Te les donner en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te les donner en ce lieu.
car l'Esprit, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé dans ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin retrouvé la paix dans ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Adorer et t'obéir.